Oui, je sais ce que tu es en train de te dire. Yo les amis, c'est Vaikar, j'espère que vous allez bien. Vous me l'avez demandé et même redemandé et je vous comprends. Le let's play complet de God of War 3, on y est. C'est aujourd'hui que l'aventure commence et on va la vivre au quotidien tous les jours sur ma chaîne jusqu'à la fin de l'aventure à 18h. Donc je compte sur vous pour être présent, pour envoyer le petit like. On a fait God of War 1 ensemble. On a vaincu Arès, puis on a enchaîné tout de suite sur le 2, où on s'est battu contre notre destin après que Zeus nous ait tués. On a vaincu et changé le destin en battant les sœurs du destin. Et à la fin du 2, attention spoiler, Kratos est plus puissant que jamais et s'en va accompagné des titans escalader le mont Olympe pour détruire tous les dieux du mont Olympe. Mon dieu que j'ai hâte parce que ça s'annonce totalement épique. Je m'étais retrouvé comme ça à la fin du 2, me dire non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Et c'est maintenant que la suite va commencer. J'ai extrêmement hâte, les amis. Il y a d'ailleurs quelques jours un nouveau trailer de gameplay sur God of War Ragnarok qui est sorti, qui est absolument magistral. Et voilà, ça m'a tellement donné envie de me replonger dedans. Je suis plus hypé que jamais pour ce Ragnarok, mais en attendant, on va terminer la trilogie en Grèce avec ce God of War 3. J'ai hâte, les amis. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour ce nouvel épisode de God of War 3 Remaster. Allez, nouvelle partie en dieu normal du coup. Kratos, c'est parti. Ma vengeance s'achève. Ah là là, je sens qu'on va avoir un petit résumé de ce qui s'est passé. Mes frères, nous avons été forgés par la victoire. Une victoire qui a mis fin à la Grande Guerre et a marqué le début du règne du Mont Olympe. Né dans les profondeurs de l'enfer, enraciné dans la rivière des âmes, notre montagne a surgi du chaos. Et en s'élevant, la puissance des Olympiens a grandi avec elle. Nous avons créé un monde où règne la paix, un monde prospère, un monde qui vit dans l'ombre et la protection de ma montagne. Une montagne qui est devenue la mesure absolue du pouvoir et de la force. Maintenant, en ce jour, cette puissance doit être testée. Kratos, le mortel, cherche à détruire le monde que j'ai forgé. Waouh. On reprend exactement là où on en était. Mettons de côté les différences insignifiantes qui nous divisent depuis si longtemps. Si nous nous unissons, si nous combattons ensemble, moi, je nous débarrasserai de ce fléau. Oh là 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 là. Putain, il est beau le jeu. Hadès. Waouh. Putain, mais c'est trop classe. Cette musique. Oh mon dieu, ça démarre direct comme ça. Oh mais non, c'est un truc de ouf. Zeus, ton fils est de retour. Et je viens détruire l'Olympe. C'est exactement la phrase qu'il a dit à la fin du 2. Les titans perdront à nouveau. Gaïa. Ouah, mais le jeu est trop beau. Le jeu est trop beau les gars, c'est un truc de ouf. Wouhou! Ça fait tellement plaisir de retrouver Kratos! Allez! Oh mon dieu! Oh là là, c'est trop stylé! On est sur un titan, les gars!
Quand on est sur Gaïa, ouais, c'est ça. Hein. Par contre, faut que je m'y remette un peu sur les touches parce que bah ça fait longtemps que j'ai pas joué. Autant le 1 et le 2, je les ai enchaînés. Il l'a démonté à lui tout seul. C'était Poséidon, je crois, hein, qu'a plongé. Hein. Quelque chose m'agrippe. Gaïa. C'est quoi cette magie? What the fuck? C'est quoi cette magie de ouf, les gars? R1. Ah ouais. Ah, le jeu il est beau, les gars. Franchement, je vous jure, ça fait la diff. Hein. Ça fait tellement plaisir de retrouver un Kratos en HD comme ça, là. Ok, on esquive avec ça, c'est vrai. Trop stylé. Wow. Oh putain. C'est quoi ça, c'est un boss direct là? Ouah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Aïe aïe aïe. Ça c'est Poséidon ça, je crois, non? Non, on est à l'envers. Oh, mais c'est un délire. Ah. Allez allez. Putain les gars, un cheval des mers quoi. Allez, meurs. Eh, la mise en scène est incroyable. C'est un bordel. Allez, on le défonce. Oh, il met des gifles. Oh là 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 là. Allez, prends ça. Prends-toi ça. Mais barre-toi! Aïe aïe aïe! Oh j'adore! On est. Oh putain, t'as l'impression, on est tellement puissant, mon gars là! Ça c'est comme Allez les petites QTE, démonte-le. Ouah, il doit décrocher la mâchoire. Mec, c'est trop classe, c'est un délire. Mon Olympe, ok. Ok, allez. Tac. J'adore, c'est... Le jeu est trop beau en fait, c'est un délire.
Ah ouais, je sais même plus ouvrir les coffres, moi. Hop, les orbes, les verts donnent la santé, les bleus la magie, les rouges l'expérience, pas de soucis. Le long du rebord. Ah, je vous jure les gens, je suis trop content de commencer ce 3. Il est magnifique. Oh mon dieu, Gaïa. Putain, mais les titans, ils se font défoncer. C'est un truc de ouf. Allez. Si en plus tu commences l'aventure, t'es en pleine puissance, tu vois. Double saut. Par contre, elle est folle cette magie, je sais pas c'est quoi. C'est quoi cette magie de fou là? Attends, faut que je me rabuche un peu aux touches là. Voilà. Tac dans les airs là. Maintenez R1 pour le fixer. L1. Ah oui, c'est vrai, on a le grappin. Ok. R1 pour vous balancer. Oh, c'est quoi ça? La chaîne du pouvoir. Sa puissance sans égale protège le lien entre l'Olympe et les enfers. D'accord. Bah, c'est ça qu'on va péter en fait. Hein. Wouhou! Oh, des barres, on peut foncer avec! Yeah! Maintenez-le dans la direction. Hop! Super! Je sais plus c'est qui comme titan lui. Oh putain, il s'est fait éclater. C'était pas Chronos, Gaïa, Chronos. Ah, je sais plus là, de tête comme ça, je sais plus. Ah, Gaïa, elle est encore là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Gaïa. Vite. Je suis choqué par la mise en scène. Oh oui, les ailes, j'avais oublié. C'est vrai qu'on a les ailes. Wouhou. Les ailes d'Icar. Ah, j'ai cru que je pouvais lire. Est-ce que... C'est qui ça? Oh, mais les ennemis sont trop bien faits aussi. Ah, c'est stylé maintenant. Dans les QTE, il y a genre ça se voit quand tu fais le geste quoi. Aïe. Ouh. Appuyez vite sur L1 juste avant l'impact pour déjouer une attaque ennemie. Ah, il y a des contres maintenant. Attends, hop. Oh, des fois ça apparaît à droite le... La QTE. Oh putain. J'ai raté. En fait, des fois ça change d'endroit. Ok. Rond. T'as vu, c'était à droite, après c'était en bas. Ah, oh là là, on lui a arraché les boyaux. Oh, oh mec. Non mais c'est trop bien. C'est trop bien d'arracher des boyaux. Non mais c'est trop bien fait. Mourez tous. La vengeance a sonné. Magnifique.
Attends, je vais lire ça. Ici repose Arès, le dieu de la guerre déchu. Ha ! Ah, je viens de capter la tête en fait. Il est juste en dessous, j'avais pas capté. Eh ouais, Arès mon gars, c'est nous qui t'avons mis là. Et on a pris ta place en tant que dieu de la guerre. Ok, donc là du coup on peut monter là. Ah, la petite sauvegarde. Allez, c'est fait. J'arrive, Gaïa. J'arrive. Oh putain de merde. Oh mec, qu'est-ce qui va se passer, Gaïa? What? Mais elle va crever. Meurs enfoiré de Poséidon. Non mais le design est magnifique hein. Je tiens à préciser quand même. Allez, QTE, c'est parti. Ah, j'ai pas l'habitude. Les boutons, ils arrivent en haut, à droite, à gauche, partout. Allez. Wow. Non mais ce combat est incroyable. Wow. Mec, c'est quoi ça? Ah oh ouais, balance-lui dans la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est reparti. Oh, les boutons R1. L1. Qu'est-ce qui se passe? On écarte. Ah ouais. On enlève son armure. Ok. Vas-y, viens. On balance ça dans son cœur, là. Vas-y. Ah, t'aimes pas ça, hein. Wouah. Oh là là. Ça va, Gaïa? Tu vas survivre ou c'est comment là? Ma pauvre. Elle est au bout de sa vie. Watch out. On est dans Gaïa, les gars. On est à l'intérieur d'elle. Oh, ce calme après la tempête, il est incroyable. Les gars, je m'attendais pas à ce que le jeu démarre si fort. Hein. Je vous le dis, hein, je suis choqué là. Choqué par les graphismes déjà. C'est son cœur. C'est le cœur de Gaïa. C'est ça. Je crois que son cœur est emprisonné par la glace de Poséidon. Tournez.
Ah, je peux pivoter le truc maintenant? C'est un délire. Ok, je pense qu'il faut le tirer comme ça. Je sais pas ce que je dois faire en fait. Attends, là je peux monter là. Ok. Ok, attends, j'imagine qu'il faut que je le pivote. Genre comme ça. Ah non, je sais. Faut que je le mette là comme ça, dans le trou. Voilà. Et comme ça, ça comble le mur. Ça comble le trou en fait. Tac. Comme ça, je peux passer. On va libérer son cœur. On va sauver Gaïa, les gars. Vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Je vous jure, j'ai peur pour elle en vrai. C'est elle qui nous a permis d'arriver jusque là. Ah, et des ennemis dans Gaïa, mais non, la pauvre. Barrez-vous, mon enfoiré. Ouh. Oh là là. Il y a des lumières de partout. Eh, les lumières, elles sont pas trop belles, franchement. Les effets de lumière. Sur l'armure, sur les lames du chaos et tout. C'est trop stylé. Wow. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Tu sais, déjà le gameplay dans le 2 il s'était vachement amélioré, mais là vraiment genre il est tellement agréable, c'est tellement fluide. Bien vu. Putain, c'est un cheval araignée chelou, dégueulasse. Tu oses me défier, mortel ? Moi, dieu de l'Olympe ? What ? Un vrai guerrier ne se cache pas, Poséidon ! Quitte la mer et affronte-moi ! C'est la dernière fois que tu manques de respect envers les dieux, Kratos ! Allez, direct contre Poséidon, là, direct, ça rigole même pas. Comment je fais ? Ah, il faut que je le... Faut que je nique ses pattes. Oh! Aïe! Allez, lâche! Lâche! Il ne restera plus rien de toi dans mon sillage! Ah! Wow, j'ai bien pris cher, là. J'arrive. Merci Gaïa. Ah. Bien joué ça. Allez, prends ça dans ta tronche, Poséidon. Faut pas que j'oublie de... Ouais. Allez, moi aussi je peux faire ça. Hein. Wow. Tu veux grimper là? Et à la grandeur de l'Olympe. Oh. L'enfoiré, il m'a fait tomber. Aïe aïe aïe. Wow. Putain, c'est chaud. Allez, Poséidon, mancha. Wow, ma vie.
Ah ouais, non, mais je peux pas monter en fait. Là, je vais crever. Tu vas échouer. Oui, je vois que je vais mourir. Je suis mort. Je me suis fait défoncer, putain. C'est reparti. Allez, donc ça sert à rien de monter déjà. Ouah. On peut pas trop bouger. Oh. Ouah. Ah, je sais pas comment esquiver cette attaque là quand il fait des éclairs comme ça. Ah, faut vraiment que je recule quand il fait ça là. Faut que je recule. Aïe. Oh là là, je vais encore crever. Est-ce que vraiment ça va se casser son truc là? Oh, je vais mourir. Tac. Oh. Oh non, je suis encore mort. Mais non. En fait, je crois que j'ai pas compris comment le tuer. What? Non, parce que si je monte, de toute façon, il m'éclate. Waouh. De toute façon, faut que je me barre là. Ou alors faut que je monte et que je lui claque la tête pendant qu'il... Je sais pas, je vais essayer. Ah, il me fait tomber. C'est un délire. Non, là je peux pas. Allez. Wouah. C'est comme souvent hein, dans les God of War, il faut connaître comment le tuer. Mais là je perds tellement de vie. Là, je vais essayer de monter pendant qu'il fait ça. Non, ça sert à rien. Je peux rien faire en fait. Raté. Bon non mais je pense que ça sert à rien de monter parce qu'il me chope à chaque fois. Pour l'instant en tout cas c'est pas le bon moment. Là faut juste le déglinguer je pense en vrai. Et peut-être monter là quand il fait les trucs là, l'électricité. Voilà. Je dirais que c'est ça. Ouh. Hop, on se met là. On se planque là. Voilà. Putain la vache, mais... Pour un premier boss, c'est comment? Tu ne nous vaincras jamais. Aïe, ah, je suis encore mort. Bah ouais, non mais j'ai vraiment pas compris comment il faut le battre en fait. Attends. Allez. Allez, déjà je le cartonne. Je vais faire ça, je vais grimper là quand il fait ses éclairs. Je le... Hop. On est pas mal. Enfin, pas vraiment, mais... Attends, j'ai l'impression qu'on peut descendre. Non. De toute façon, faut lui péter son truc, y a pas le choix. Hein. Faut lui péter son bouclier, là, qu'il a sur le cœur. Et après... Merde, je suis pas descendu au bon moment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est ce pouvoir là, il fait trop mal. Aïe.
Mais tu vas mourir? Ça me rappelle, tu sais, ça me rappelle tellement l'hydre dans le A où j'ai mis 20 ans à comprendre comment le battre. Aïe! Wow. Ah, ça y est, il faut monter, il faut monter. Les amis, c'est maintenant. Vite, Kratos. Allez. J'ai eu un tout en mon nez, je me dis, est-ce que vraiment c'est comme ça? Allez, ouvre-lui son cœur. Ouais, magnifique. Allez, on va pouvoir le défoncer maintenant là. Oh putain. Gaïa ? Magnifique. Wouah, c'est magnifique. Oh, c'est chaud. Oh là, je me prends des éclairs dans tous les sens. Les gars, je me meurs. Je me meurs. Oh, c'est chaud. Eh, le combat est impressionnant. De ouf. Ah mais j'ai mal pour Gaïa, je vous jure, j'ai mal pour elle. Oh, c'est quoi tout ça? What the fuck? J'en prends plein les yeux. Wow, c'est incroyable. Zeus aurait mieux fait de te laisser à ta place. Peu importe combien de dieux tomberont, il y en aura toujours de nouveaux pour s'opposer à toi. Ils tomberont aussi. La fin de l'Olympe signifie la mort pour nous tous. Alors, prépare-toi à mourir, Poséidon. J'ai même pas cherché, j'ai appuyé sur rond direct. Merde. J'ai foiré. Oh putain. Je suis trop tendu les gars, faut que je me calme. Oh là là. Oh les mandales qu'il lui met. Oh. Oh mais c'est trop bien fait, en plus t'es dans la tête de Poséidon, tu vois les tout ce que tu te prends dans la gueule. Oh, oh là là. Oh mon dieu. Il lui a crevé les yeux. Oh.
Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Comme il a tué Poséidon, la mer part en couille. Ouvrez les vannes. Kratos, la mort de Zeus est à notre portée. Monte sur ma main. On va sauvegarder. Ouah, mec, le combat contre Poséidon est dingue. La réalisation était magnifique et c'était le premier combat du jeu. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait dire, quoi. On y arrive. Zeus. Que vas-tu faire, père? Tu ne peux plus te cacher dans les jupes d'Athéna maintenant. Athéna est morte à cause de la colère qui te consume, Kratos. Que vas-tu détruire de plus? Les mains de la mort ne m'ont pas arrêté. Les sœurs du destin ne m'ont pas retenu. Et toi, tu ne verras pas le soleil se coucher. J'aurai ma vengeance! Enfant impertinent, je ne tolérerai plus ton insolence! Wouah! Oh. Oh mon dieu. Waouh. Gaïa, je ne peux pas tenir plus longtemps. Si je t'aide, nous tombons tous les deux et Zeus vaincra. C'est pour détruire Zeus que tu m'as sauvé de la mort! Je t'ai sauvé pour que tu aides les titans! Ne me refuse pas ma vengeance! Écoute attentivement, Kratos. Tu n'étais qu'un pion, rien de plus. Tu n'as plus à te soucier de Zeus. Ceci est notre combat, pas le tien! Putain, Gaïa, tu ne peux pas nous la mettre à l'envers comme ça! Mais non! Oh là là. J'ai vécu comme un guerrier. Je suis mort comme un dieu. J'ai subi le sacrifice ultime. Et on m'a privé de la délivrance. J'exterminerai tout l'Olympe. Ma vengeance sera terrible. Oh là là. Oh mec. Putain, Gaïa quoi. Tu fais chier, tu nous as mis à l'envers de ouf. Le Styx, putain, c'est là où les... Ah non. Ah, ils me prennent de la vie. C'est là où les morts vont. Non, Kratos. Ah, ils m'ont pris toute ma magie. Oh, ils m'ont pris ma vie, ma magie. Allez, Kratos. Ils m'ont pris mes âmes. Hades.
Le royaume d'Hadès. Putain, on est retourné en enfer, les gars. Pour la deuxième fois. Non. Non, on n'en a pas fini, Zeus. Les portes de l'Hadès ne m'ont jamais retenu. La mort ne peut pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Athéna. Tu m'as manqué, Spartiate. Je ne... Grâce à mon sacrifice pour sauver Zeus, j'ai accédé à une existence supérieure. Tu sembles encore être une Olympienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe. Peut-être, mais souviens-toi, c'est ta lame qui m'a donné la mort. Ma fronde était destinée à Zeus. Trêve de bavardage. En ce moment, la guerre pour l'Olympe fait rage, et l'humanité souffre. Laisse-les souffrir. La mort de Zeus, c'est tout ce qui m'importe. Zeus ne tombera pas aussi facilement qu'Arès. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir, la flamme de l'Olympe. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir? Que nous vaut ce changement? Toutes ces vérités, je les ignorerai. Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Qu'est-ce qu'elle fait? Waouh! Voici les lames de l'exil. Trop stylé. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. Les lames de l'exil. N'oublie pas, tant que Zeus règnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. Elle a bien changé d'avis, Athéna. L'âme de l'exil. Ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe. Après avoir eu les lames du chaos et les lames d'Athéna, on a maintenant les lames de l'exil. Enfer, ici s'achève le grand périple que chacun doit entreprendre et dont on ne revient jamais. Nous, on va y revenir. C'est magnifique. Putain, on se fait... Kratos, le pauvre Kratos... Ah, le pauvre... Merde, je voulais pas tomber. Kratos, le pauvre, il se fait toujours trahir. C'est horrible. Du coup, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais... On a une vie toute petite, ça y est. On est revenu à zéro, en fait. Un petit peu comme dans le... dans le 2. Un petit peu comme dans le 2, quand on commence, on est grave chaud et tout, et après, bah, Athéna nous renvoie sur Terre en mode « t'es qu'une merde ». Bah là, c'est pareil. Du coup, là, on a plus nos... Ouais, il n'y a plus les attaques spéciales avec triangle, carré et tout. Trop bien. Attends, je vais aller. J'ai vu qu'il y a une sauvegarde là-bas, on va peut-être y aller quand même. Attends, il y a une sauvegarde là, mais après le chemin il va là-bas. Ok, attends, je vais juste voir. Je crois qu'on peut descendre là. Ouais, parce qu'ils nous ont pris tous nos pouvoirs et tout, on a plus rien, hein, je crois. Hein. Est-ce que j'ai un pouvoir? Oh, il est magnifique notre pouvoir. Avec les boucliers spartiates là. Ok. Oh, petit coffre. Est-ce qu'il y a toujours les yeux de Gorgone et les plumes? Ah ouais. Vous avez obtenu un œil de Gorgone, ramassant deux de plus pour augmenter votre jeu. Ah putain, maintenant c'est plus que deux. À la base c'était 6. Putain, c'est ouf. Trop bien. Donc il y a toujours les yeux de Gorgone. Fais voir le truc.
Wouah, c'est stylé, il est trop beau le pouvoir. Alors, portail d'Hyperion. Seuls ceux qui possèdent l'âme véritable d'un dieu peuvent passer, d'accord. Donc visiblement il faudra trouver un outil pour passer ce portail après. Appuyez sur E2 pour faire venir une phalange de lances et de boucliers, ouais, trop bien. On va sauvegarder. Ok les amis, bah je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Waouh. C'est le seul mot qui me vient à la bouche, tu vois, genre waouh, c'est incroyable. Franchement, c'était une incroyable entrée en matière. Ce début de God of War 3 était magistral, le combat contre Poséidon, les titans et tout, la trahison de Gaïa, bref, il y a eu trop de trucs. J'ai trop hâte de continuer les amis. Merci d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère que ça vous fait plaisir que je commence enfin ce God of War 3. Moi je suis ultra hypé, surtout parce que je viens de voir, mon dieu, ça va être incroyable. Rappelez-vous tous les jours à 18h. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve dès demain à 18h pour la suite. Ciao la famille.